Ludivine Tachon, tu m'as encore rien dit. Bonjour Ludivine. Bonjour, sous le soleil presque de Signos. On en est bien. Ludivine, qui représente ici évidemment la rédaction de France 3 Aquitaine, qu'as-tu choisi de nous montrer avec des images aériennes étonnantes? Ben oui, regardez ces superbes images du village de Signos, niché au cœur de la forêt. Car ici, il y a deux Signos, le bourg entouré de pins et Signos océan à 5 km où on peut s'y rendre grâce aux pistes cyclables, une quarantaine de kilomètres. L'hiver, Signos est un village de 3000 habitants. L'été, c'est l'une des plus importantes stations balnéaires de la Côte d'Argent avec 40 à 50 000 personnes. Nous nous trouvons actuellement au pied du fronton des écureuils à quelques mètres de la mairie de Signos que vous voyez qui célèbre cette année son centenaire. Et si vous passez par le bourg de Signos, prenez vraiment le temps de visiter ce bâtiment qui recèle des trésors, mais je ne vous en dis pas plus car Pierre vous dévoilera tous les secrets de ce bâtiment dans l'émission de vendredi. Merci Ludivine, c'est vrai qu'on est au pied du ici de la mairie qui est ici et puis du fronton des écureuils, c'est comme ça qu'on l'appelle.